Ça passe. Bienvenue dans un autre épisode de Chocarella de New York Takeover. On a commencé l'épisode ça pour aller dans Bronx, côté que nous allons rencontrer Charlène Absalon, qui lui-même créé une ligne crémasse qui est les crémasse Absalon. Bien sûr, tout le monde fait crémasse. Mais ça qui est spécial dans crémasse Absalon, c'est parce que non seulement il y a des saveurs qui sont originales, mais tout, Charlène créé ça que lui est une crème à la glace avec crémasse. Ice cream crémasse. Nous allons visiter la Kylie, côté que moi-même, je vais apprendre à embouteiller crémasse là, et bien sûr, faire une ice cream crémasse. Chalen, merci parce que vous recevez nous la caillou. Comment vous êtes? How are you? Je connais créole ou pas, fin ton en forme. Mais essayez quand même de mettre bon. Qu'est-ce que vous faites? Nothing, I'm good. Là. So I'm glad you came and I want you to taste my crémasse. Because yes. I feel like my crémasse is really good. I call it the Haitian American crémasse. Haitian American crémasse. Parce que, let me tell you, the Haitian crémasse is trop pues. Yeah. And that's a problem. Okay. And then it's not as smooth. Okay. And it's too strong. C'est pas crémasse maman, c'est pas crémasse maman. Parce que crémasse maman c'est crémasse qui pique bon que bien goûter. Il pas trop press, il pas trop strong parce que maman pas boire alcool. Je t'imagine un monde qui pas boire alcool, qui fait crémasse. Mais maybe that's the pile monde qui justement ouais, parfois veut boire crémasse ça. C'est warm non bien clairé, on bien alcool là que il prend et puis il pas prend flavor coco et il va prendre l'autre flavor qui gagne qui fait crémasse ça bon. Mais certain que c'est comme ça pour eux. Exactly. Good. So, depuis qui l'a commencé à faire crémasse, qui ça pousse au faire crémasse, pour qui ça se crémasse, c'est pour l'autre bagage. So, crémasse. So, I wanted to learn how to make some complicated Haitian foods, like légumes, lalo, I want to learn. Yeah. But first, I said I want to learn how to make crémasse. Yeah. So, I learned how to make it. It was easy, mais I wanted to make it better. Yeah. So, I worked on it for years, and then I finally had one that people love and they want to buy. I said, okay, boom. So, from there, I started to make the coffee. It was even better. Then, chocolate almond, even better. And then, I have a creme brulee. I have pumpkin spice. What? I have cannelle. Tout avec crémasse? Yes. Wow. Yes. That's so American. Yes. Pumpkin spice. What? No, but see, Haitians need that because Haitian, the problem with Haitian is that they never want to change. Yeah. And we have so many good things. Like, crémasse is so good. We're the only island in the Caribbean that makes it that thick. Yes. And make it the way we do. Yeah. So why not? Why not? Well, and then the crémasse ice cream, I had an ice cream machine. Okay. I said, oh, man. Let's try something new. The first time, oh, it was bad. It was horrible. It took a lot. To get it just right. Man, this is what I have. So I have the crémasse. I have some flavors here that I'm gonna have you try, and you're gonna help me bottle crémasse. Yes. And we'll package it and everything, and then we're gonna make some ice cream. All right, let's do that. Combien de monde qui est dans la compagnie ou là, t'as bien aimé une idée de ça? The only person in the company is Charlene Absalon. That's yourself. So it's only me. Yeah. I do everything. That's good. My family helps me when I do events and to taste new flavors, but it's only me. Right now I do this at home, but I do have some plans in the work for a future crémasse Absalon. Creamery. Nice. You know, so that's coming. So I'm all right. I wish you luck with that, and I think it's gonna be amazing. Good. Now this is the challenge. So I want you to taste. Yes, I'm gonna taste the crémasse. I have a bottle here for you. Yeah. Now when you taste it, don't forget to tell me how much you love it. Okay, I will. Okay. Live. Okay. Say how much you love it. Yo, it's really good. Put some more.
It's really good. Thank you. Yes. Li ka kompi ta krema sou mwam nan. Ok, ok. This is good. This is really good. This is Thank good. Thank you. And I tell people, wow, like, do a lot with it. Don't just, I mean, drink it. You know what? Let me tell you right now. It's like, there's no needs for the coconut in it. No. It's like, it's rich. Yes. Ça veut dire moi-même qui crème qui qu'on boit avec cocoyer, m'pas senti que il manquait cocoyer. But some qui pas de cocoyer, yes. Sometimes it's just on gros et by sucre blanche qu'on boit. Yeah. But this is not. It's really good. Yeah. Wow, yes. Congrats. Thank you. Bon bagage. Thank you. This is really good. Thank you. All right, so now qui côté mon arrive une crème à soyo. Acheter. So right now, they can email me. Mm-hmm. I don't have an online store. Mm-hmm. I do wedding favors as well, mm-hmm. but they can email me or follow me on mm-hmm. Instagram. Ice cream nan pare, cremasse ice cream, premier fois que mwen pral goûte un cremasse ice cream. By the way, mwen vi di ke gapi la isen fèm konen ki eseye different flavor. An Haiti, mwen te bwen un ice cream ki gen flavor cola ku one. So now, mwen pral cheke yon ice cream avec cremasse. Merci! No. Ah bon, man. C'est dommage que m'pa ka di nou lan ki adresse direct pou nan cheke cremasse ice cream avec cremasse Absalon yo, mais seul bagay cheke cremasse Absalon sur Instagram. Merci tout moun ki t'ap suiv. Ti segment sa, nou nan Chocarella, New York Takeover. Woody Theodore, c'est un haïtien, son styliste qui a évolué ici là dans Brooklyn. Il fait pile succès déjà dans le monde fashion dans New York, puisque justement on connaît New York, son gros plateforme pour monde qui designer. Nous t'ai rencontré puisque lui-même il a préparé une nouvelle collection qui est même basée sur uniforme que monde mettait dans prison, que un ami l'a inspiré. Just the shirts, we have, of course, the horizontal stripes, which are older prison garbs. Some prisons still wear this kind of stuff. This here is another touchy subject because the vertical stripes is more of, you know, like Holocaust. Okay. When you're thinking about, you know, vertical stripes and a lot of individuals who were part of that, you know, movement. I mean, not movement, but that horrible part of history. And they see these, you know, vertical stripes, and that for them, you know, vertical stripe shirt and vertical stripe pants means it's still you're confined and you're in prison, but you know, this is more Holocaust. Okay. You know. Those are jackets. These are jackets. Yeah. So these are jackets, and a lot of what happens when you think about prison clothing is they try to make it as simple and as cheap as possible because it's mass production. Yeah. All right. So did you do your research? Did you talk to people? Oh, without a doubt. Tell us about like the creative process when the idea came. Because I've always been very interested in again having a close childhood friend, you know, incarcerated before I even got into fashion mm-hmm. or the professional world. Yeah. You know, my mind was always around it, and growing up in America, you know, as a black man,
It was always about how do you stay out of trouble? How do you, you know? Mm-hmm. And then later on down the line, you realize that it's not a matter of how do you stay out of trouble? It's are you lucky enough not to be picked and selected? Yep. Brooklyn Circus is my brand. C'est Marc moi. J'ai créé Marc là en 2006. J'ai un magasin avant ça. J'ai fait un magasin. J'ai lancé Brooklyn Circus là. Brooklyn Circus is really just my interpretation and my experience as a Haitian man living in America, Haitian American. Ou vendre brand pas seulement ou bien ou vendre l'autre brand. Le plus souvent, nous gagnons deux trois autres marques comme si Marc Zami me fait vendre un magasin. Zami c'est professionnel et tout. On voit qui a voué monter. Nous l'avons supporté l'autre. Nous l'avons supporté l'autre exactement. On voit des amis qui en Angleterre, Zami en France, donc ça on voit. Une fois on prend porter Marc yo dans magasin. Mais combien ça n'a pas fait. The next phase of the brand is really focusing on the Brooklyn Circus, different phases of the Brooklyn Circus alone. So next season, actually this season going forward, will solely be the Brooklyn Circus. That's it. Mm-hmm. So now, you can buy your address store la, address, maybe they can catch you online. Address online, site la, c'est www.thebkcircus.com. thebkcircus.com. C'est The BK Circus et store lui-même c'est Brooklyn lié. Mm-hmm. Bergen & Nevins, 150 Nevins, Brooklyn, New York. Nous avons deux magasins dans le quartier, nous avons fermé un magasin. Okay. Et puis nous avons merge. Merge, exactement. Yeah. On partie sportif là avec partie plus habillée à costume toute l'autre base ça qu'on faire mais tout ensemble qui fait sens parce que c'est là. That's good. Mode fashion n'a pas aller on no separation but yeah vin when Brooklyn nous gon magasin Californie tout. Okay. San Francisco yeah 1521 Fillmore et nous vendre New York partout. Okay. En Angleterre au Japon en France, so worldwide, man. I send you here, man. Oh, man, man. We don't have to see it. Oh, thank you, merci. Chocarella, belle bye, my friend. Oh, yeah, belle bye. You. DJ international haïtien Michael Brooklyn, nous tous connaissons à vivre dans New York connier. Nous te font ti marcher sous quartier Bola Kali côté que il t'a expliqué nous pour qui ça le fait mou ça et ben nous en pile gros nouvelles sous carrière li et notamment gros tournée que il va le faire dans jour qui va venir. On va t'en faire ti marcher ça avec vous. Moi dans neighborhood aussi capable dire comme ça. Bakala, en forme. En forme. Content well et ou pas ta vivre Brooklyn avant. Ou pas ta vivre New York en général avant. Pour qui son move Brooklyn. Qui t'aime New York en pile et premièrement, il y a un paquet d'artistes et œuvres qui sortent de New York que je vraiment aimé. The Fugees. Yes. New Jersey, New York. Oh, France. Yeah. Biggie, Tupac. Jay-Z. Diddy. Et on est là avec les futurs projets que m'a sorti. Je crois que je comprends pourquoi ça me fait réticence. Mais peut-être que tout le monde a pensé que maybe LA is the right spot for a DJ. Mm-hmm. Qui différence pas ce qui gagne? Est-ce que peut-être moi, elle était tantôt autour dans ça? Pour elle, moi même parce que quand je travaille là, deux semaines, je fais projet et puis je me sortis. Okay. Parce que moi même quand je joue, moi même machine. C'est pas pour musique, c'est pas pour musique. Et New York permet tout faire ça. Exact, c'est subway, right. Même subway. That's good. Mais quand il y a, ça pas pour gagner un an de bon mouvement? Non. Et peut-être 9 mois, 9 mois, 10 mois. Et qui différence on fait entre la vie et Floride? Avec la vie boy ici. Et moi, Fred Jua, il est un petit jeu difficile, mais moi-même, je peux marcher n'importe quel côté. Moi-même, j'ai un peu de bon manger de tout côté. Il y a une diversité là. Oui, diversité. Et plusieurs artistes qui étaient ici. Et j'ai vraiment aimé que l'homme est arrivé là, presque le même jour que je vis à New York. On a date studio, même joueur. Yeah. Et depuis novembre, octobre, presque fini en album. Et que le monde entendait. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça.
finir ça. That's good. Ici, justement, gagne et toute influence par rapport à multiculturel, une communauté afro là, justement, mm-hmm. avec tout bagage ça. Est-ce qu'on pense que inspiration ou bien influence est plus facile pour créer, rendre plus facile pour créer bon, ici là que de l'autre côté? Oui, définitivement. Et quoi? Vraiment avec Mr. Easy, son artiste qui était venu jouer en Haïti, en Moss, qui était venu jouer en Haïti. Et c'est là que ça nous a parlé, nous avons commencé à travailler sur plusieurs bails. Et puis nous finissons en musique, parce que c'était une semaine après, et il était joué en Haïti. Nous finissons en musique ensemble, qui a sorti bientôt là. Et c'est là ça que je réalisais que tout artiste afro, il est venu à New York, il est venu travailler à New York, il y a plusieurs studios, même ici dans Bushwick, il est venu travailler ici. Et il permet moi de travailler avec un paquet d'autres artistes que peut-être pas t'a joué à Miami. Donc il vraiment pour ça m'a passé faire c'est musique haïtienne plus accessible. Oui, plus accessible, mais c'est t'a vraiment aimé que le monde tende nouveau projet hein, que ouais oui c'est musique haïtienne mais il y a un lien avec musique africaine, musique latine, toute différence. Dernière fois de parler dans Chocarel là, c'était justement et pour parler de Positivo. Oui. Mais avant ça, je suis monté à New York justement, je me suis dit, ouais, et un show pour moi, c'était un bar extraordinaire. Merci. On fait plusieurs show bio, on va poser des questions, même si tout le monde va faire jalousie. What was the best bio concert? Wow. Not to rire. Ça difficile. Et je me dirais tout. New York t'es particulier. Presque 1300 monde. Yeah. 1300 monde. Et j'ai vraiment aimé ça parce que pour moi c'était une évolution. Parce que premier bio, vous songez ça, vous fait Tito Stakos. C'est un bail gratis. On invite plusieurs artistes, on invite des amis, les médias, famille. C'est un bail top secret. Exact. J'ai invité plusieurs fans. Mais nous avons commencé avec 50 mois. Yeah. Après ça, nous avons fait et bye au Miami, dans Little Haiti Cultural Center. Et nous avons fait ça 3 ans de suite. Et puis nous avons venu à New York et nous avons fait à Musical Williamsburg l'année dernière, en novembre. Et 500 mois, sold out. Et puis pour le dernier show que nous avons fait en Irving Plaza l'année ça, c'était 1300 mois. Donc nous avons vu que nous avons commencé à comprendre. Qui ça projet bio vraiment ça me t'a vraiment que moun parce que nous gagne un paquet d'artistes haïtiens nous gagne bon presque toute production c'est haïtien lié oui quand 99% c'est haïtien so, pour moi ça sont une fierté parce que nous venue ça Irving Plaza ou bien nous avons fait New Street Musical en DC et Boston même dans Boston venue ça club ça c'est pas musique haïtienne normalement ça c'est des bars côté de weekend il était joué dans même côté ça et Drake était joué dans même côté ça so, pour moi même pour gagner plusieurs choses soldat avec un line-up haïtien ça sont évolution ouais peut-être mon t'a bien aimé connait est-ce que bayou tout la camper est-ce que what's next non, for bayou bayou n'a travaillé sur ça connait là et the biggest bio is coming next year et nous gagne big et on gros tourné que n'a planifié et n'a tourné dans même côté que nous devenir avant en ça n'a venir dans plusieurs nouveaux côtés n'a venir en Europe et tout côté dans Amérique du Nord n'a même fait Amérique du Sud tout et m'a pas annoncé ça bientôt mais on l'autre tourné que m'a fait en vin et pour qu'on tourne en solo oui, exact. Et bien sûr n'a tourné en bayou et puis justement après bayou t'es venu gagner justement Coupe du monde Telemundo Positivo J Balvin et il était pour moi-même un gros succès et moi capable de dire quand il amis en Haïti qui dit par contre rien en payol même garder télé mundo pendant mondial là juste pour m'attendre et musique J Balvin comment tu vives période ça moi connais une bonne nouvelle que tu es pour mais connais que justement musique là a joué et télé mundo joue pendant un mois et pendant toute fièvre coupe du monde ça plus de 2 millions de monde et tune in par exemple pour finale là dans Telemundo seulement etc. Comment ça t'est pour Karel, moi jusqu'à présent je peux comprendre qui ça passe là parce que musique ça nous t'est fait depuis c'est 2016 que nous fait beat bio et puis nous lagué bio en janvier
Et puis depuis janvier à août, août septembre, it's been non-stop. It's been non-stop. So pour une musique qui sortit à Haïti, dérivé J Balvin, dérivé Coupe du Monde, tout le monde, un paquet de monde. Michael Brown, J Balvin, tu le savais, let go. Another one. Là, on était fini positif, on était fini ça en février, février en janvier. Et on était vraiment bien travaillé avec J Balvin. Et puis, moi, je me suis dit travailler sur plusieurs autres projets. Et on va qu'on a fait combien là, c'est on travaille sur le prochain album. Oh, nice. So, on travaille sur le prochain album J Balvin. Et nous avons déjà nous avons un premier track qui est presque fini avec. Et la panne bientôt. La musique, ça t'a chargé, vraiment. Musique, ça, mais connais comment qui retombe direct que peut-être vous capable de dire au-delà de reconnaissance qu'on gagne qu'on travaille avec J Balvin, musique l'a fait et musique officielle Telemundoa qui vient à partir de collaboration ça. Bon, et j'ai gagné plusieurs vraiment high profile looks à partir de ça. Mon Time Magazine t'a fait un gros et spotlight sur Bayo et puis sur positif sur Coupe du Monde, sur tout Bayo que j'ai travaillé sur tournée en tout. Et puis à partir de ça, j'ai gagné plusieurs lots et gros spotlight que j'ai gagné. Mais je crois que ce qui est bon, c'est que pour moi-même, je me sens content parce que je comprends qui ça m'a travaillé, sous qui ça m'a travaillé. C'est musique haïtienne, mais musique haïtienne n'est pas marché dans n'importe quel pays. Même si on a chanté en espagnol solo, même si c'est en créole, en français, en anglais, base musique haïtienne. N'importe qui m'a compris. Wanna step to me, better think twice. Cause I look pretty, but I'm not that nice. You might wanna wash me down with that water. Because I'm spicy. Et un visuel vraiment intéressant. Que nous, son collaboration avec moi. Oui, en collaboration avec un artiste qui est Carlo. Et il sorti. Nigeria. Mais ils vivent en mode et ils font et venir New York. Ils presque fini avec ça. Et ils viennent. Et c'était vraiment aimé la musique là. Ils sortent plusieurs là. Et puis c'est Mr. Easy qui était mettait nous en contact avec. Parce que nous étions dans le studio avec Mr. Easy en masse pour même musique que nous avons fait ensemble. Et il était venu avec. Et puis après ça, nous étions juste aimé vibe. Sur nous travaillons sur le bail. Qui le monde ici à Pouaou? En concert. En concert. Au Galaïti, de votre côté, au Galaïti tout le temps. Bon, et je connais Sim Kadzil. Mais il y a plusieurs personnes qui ont dit que Captain Bayou en Haïti. So Bayou a fini en Haïti. Je ne sais pas. Enfin, il a fini, anyway. Non, et je n'ai pas annoncé, je ne sais pas, mais je suis venu à Haïti. Mais quand même, il faut venir. Il faut venir, big, gens que lié. L'autre bord là. Mais qu'on a toute collaboration, ça, dernièrement, ou même, un peu de monde qui connaît côté jeu guitare, ou fait un vidéoclip pour une version acoustique de musique sur Retour avant sorti. Version acoustique, ça, collaboration, ça, qui veut parler, moi-même, OK, Africa, reprendre les, pour dire, mais comment que les, ça veut dire sur toute plateforme, ou sur, ou dans Latino, ou dans Afrobeat. Ou en Haïti, ou dans le compas. Et puis bien sûr, style dans l'électronique ou dans l'IDM. Donc, so, c'est pas peut-être trop pareil pour vous d'après vous? Ou bien, c'est juste. Tout ça que je travaille, dans tout projet que je travaille, pour moi-même, c'est musique PAM. Ça, c'est vibe PAM. Soweto, c'est vibe PAM. Positif, c'est vibe PAM. Bayo, c'est pas vibe PAM. Tout différents styles, ça, je voulais que Mounio l'entende. N'importe qui. Style musique que vous connaissez que c'est moi-même. Que là, autant de musique, Michael Brown, Michael Brown, que c'est qualité, pas besoin de qualité. Et puis, son bail côté, je fais un flip sur son haïtien, pour peut-être faire un bail différent avec eux que mon yo pas jamais entendu. Ou bien, je fais un bail plus classique. Mais je voulais faire ça. Voilà, pour ne pas limiter tout justement. Exact. Et puis moi même musique, moi même musique. That's good. Quartier ça c'est quartier ou est-ce que tu as choisi comme si l'autre au dit vers New York ici on devait ici. On devait ici dans zone ça quoi. Devait ici parce que ici c'est on dirait les Bushwick. Et il y a plusieurs studios
tout côté ici. Il y a un pile d'artistes qui vivent ici. Et ils songeaient. Il est presque New York en 1970. Yeah. Il y a une vibe. Mais c'est vrai, justement. Comme si, malgré que l'espace avec tout graffiti, il y a un bail qui est moderne, mais on dit brico, etc., ball on look et vintage. Oui, exact. Yeah. Et puis, il a vraiment voulu inspiration ça pour tout ça que je travaille. Parce que moi-même, il y a un artiste haïtien qui c'est plus gros inspiration pour moi, c'est Tabou Combo et musique New York City que yeah. Lagué ça sont moi ça c'est ouais, ça c'est musique puis préféré et l'homme t'attendait ça me dit waouh si on était à parler de New York City comme ça go by dans New York là on côté ici et ma PC ma ouais qui s'en va joindre pour inspiration et définitivement depuis un an là je n'ai plus bas. That's good man, that's good. Pas gain deux trois autres nouvelles qu'on va annoncer. On connaît déjà, nous te parler on fait ça. Déjà connaît. Bon et m'a connaît qui l'a pas annoncé. M'a pas tourné en septembre, en octobre, en novembre avec un autre artiste. Un gros bon artiste. Gros artiste, m'a pas dit qui est. Sous les États-Unis. Sous les États-Unis. Il a fait 20 dates. 20 dates. 20 dates. Et n'a pas annoncé ça. J'espère que semaine ça. Ok, justement, l'eau pour faire, on dit première partie, un gros artiste comme ça. Qui liberté au gain? Est-ce qu'on a dit. Of course, on va jouer toute musique au jeu, mais ça veut dire qu'on va jouer toute qualité de musique, pas jouer rap, créole, etc. Mais est-ce qu'on a plus liberté pour faire l'autre bagaille? T'as comme si mener artiste pour, non? Lui dit, je voulais que vous jouiez ça, on aimait jouer. Et puis, on l'autre partie avec. Tourner ça, c'est ma jouer avec un autre artiste. Il y a un autre artiste haïtien. C'est moi-même et puis un autre artiste. C'est pas un artiste haïtien, mais il y a un autre artiste, ma travel. Et. It'll make sense. It'll make sense. So, but oui, et. J'espère que ma canne aussi. Ouais, ça, mais ça sont exclusifs parce qu'on était connecté. On a travaillé sur mais ça. Mais c'est une nouvelle, compliment, mon dieu. Et fait 20 dates justement aux États-Unis. On a parlé de stadiums. Hein? Stadiums. Et artistes, ça sont artistes qui plein stadiums. Ça sont artistes de tout le monde. Tout le monde connaît. Ça, c'est. Bon, pour moi-même, ça sont vraiment. Ça, c'est respect que les bons moins parce que il n'y a pas besoin. Que il pas personne de jouer devant. Car juste fait choix et puis la sell out quand même. Mais moi-même, si je suis venu jouer musique PAM, accompagner. Et ça sont big up que ma jeune jeune avec. Bon, on va dire ça. Là, nous en août, fin août, qui musique semaine ça, musique locale haïtienne qui contendait, qui intéressant et qui éventuellement qui a fait playlist sous dans Vedan Sayo. Oui, dans Asian Hits sur Spotify. Non, m'a toujours cherché, m'a regardé. Et la dernière musique que je me suis remis un peu, c'était son rap. Esclavage son rati pour me t'effacer, mais à qui gomme? Quoi, c'est Christophe Lawoche, me style pas contre sac freedom. Son malade rap qui pas guéri, même s'il boite, me condamné pour me faire musique qui c'est symbole liberté. Pour ça, mon pas t'occupe, me n'en vide non occupation. Ça peut être qu'on fait pour jouer qui fin préoccupation. Devant pas de quoi accomplir, me t'es à quoi accomplir. Considérer film, son mission seulement pas de quoi accomplir. C'est l'âme qui a libéré, avec des trois enchaînements et pour m'ouvrir votre liberté. M'te traité puis m'enchaîne. C'est lui qui a pris quoi avec yo, yo, t'me t'es bonne malgré la vie pour me t'aider fun. C'est des musiques, moi t'es dépon. Liberté, liberté, yo. Qui laisse ça marcher, yo. Libéré, yo, libéré, yo. Qui laisse ça marcher, yo. Pour ça qu'a changé, ou connaît qu'il va en tourner la caille. Pour nous délivrer, ou connaît qu'il va en tourner la caille. Pour nous libérer, ou connaît qu'il va en tourner la caille. Esclavage son choral, m'bat con si voix m'te calide. Si musiquement m'te ka toujours esclave malgré m'te calibre. M'son malade rap qui pape guéri même s'il boite. M'condamné pour m'faire musique qui c'est symbole liberté. Production bon tour. Production. Et ça c'est une musique au corps. T'es remercié. Et puis pour artiste. M'en mec et tout ça Pascal. Pascal, yes. Oui, monsieur après va jouer. Oui, m'te wè li gen choreography li gen tout va ça va jouer. Et remercié. Et puis m'a coûté album Baki. Album J'ai Mika Ben. Oh, nous travaillons sur plusieurs balles ensemble. Yeah. Et je connais qui le savent ça. Nous avons fait une musique ensemble. On nous montre avec Mika. Oui, avec Mika, Jeffery et. Ouais, n'est-ce pas parler par moi? Je connais qui le savent. Non, nous travaillons sur lui.
et bientôt, j'espère bientôt mon appareil. That's good, man. That's good. Oui, un peu l'artiste à travail. That's it. Mike, m'content fait parler ça avec vous dans le neighborhood. Et je crois que justement, vous pouvez continuer de travailler au présent. Bien, vous me sentez comme vous avez parlé. Vous avez ici, tout partout, pendant 20 prochaines dates, vous pouvez vous faire avec. Walk on the internet, c'est international. Thank you, man. That's it. All right, well. Bye bye. Hi. Imaginez pour réaliser show carrière de New York Takeover, c'est en pile dépense. 5 personnes qui sont sortis en Haïti pour venir voir ici, il faut que nous mangions, il faut que nous dormions, il faut que nous ayons transportation. Et en parlant de manger, nous avons justement joint un restaurant ici qui lui-même a donné nous opportunité pour que nous te joignions manger tout le temps que nous avons besoin. Et c'était Creole Flavors. Nous avons visité eux et nous avons parlé de un nouveau local que nous avons fait ouvrir dans Brooklyn. Alright, moi ici là dans Flatlands Plaza et moi dans nouveau local Creole Flavor. Creole Flavor c'est un restaurant
qui a évolué dans la communauté à depuis un bon temps, mais 11 local, 11 ans. Yes. Et local, ça a évolué les 5 games pratiquement yes. au mois. Quoi. Au mois, yeah. Yes. Avec Kersi, Kersi comme vous voyez, son plaisir. Pour moi avec vous, et je vous dis tout carrément, avant que je commence tout le monde, merci. Je vous sponsorise justement ce carré là, pour vous bon manger et chaque jour, et manger au monde, c'est l'équipe la rebelle. Et là, on y a envie de continuer à parler avec vous sous Espace avec l'histoire. Yes. Parle avec vous. Espace là, il y a un mois depuis l'ouvrir, so. Nous juste, il y a un mois d'années pour tout le monde venir supporter lui, vous comprenez? Nous avons bon manger, nous avons un bel local, so. You know. That's good. The curve was 11 ans, people didn't commence. Oh yeah. What do you expect? Yeah, nous commencé sur Flatbush 1738 Flatbush Avenue. Nous commencé depuis 2007. So de 2007 nous ouvri, nous avons 7 nous gain 11 ans l'autre bois. Après ça nous avons l'autre local sur 2816 2816 Church Avenue. So ça lui nous gain 4 ans. OK avec ici un coup nous fait couvrir après 4 ans nous là là gain seulement un mois. Yeah. Voilà. Qui ça qui différent c'est que off level avec tout l'autre restaurant ici qui la communauté à développer. Well, bon manger c'est numéro 1. Nous bail vraiment bon manger. Nous bail bel local propre, vraiment propre. Je pense que nous numéro 1 en propreté avec manger. Yep. So nous juste bail bon service. Yeah. Vous comprenez? Et moi, ça veut dire que justement, vous avez mis un pile de café là, vous avez mangé, vous avez commandé. Oui, oui. Nous avons mangé, nous avons pâté, nous avons breakfast, nous avons toute qualité. Et puis nous focus sur. Typiquement, manger haïtien, nous allons essayer de faire fusion. Yeah. Tout, parce que nous allons faire un bon restaurant, nous allons changer, faire fusion. Nous allons juste légumes. Griot, tasso, oui, c'est comme ça nous faire. Okay, mais vous supposez tout que justement, il y a 4 restaurants et non communauté. Oui, 3. 3 restaurants, pardon, non communauté. Non, moi je dois vite. La fille, ou bien en fil de travail. Oui. Est-ce que c'est haïtien, vous voyez? Oui, majorité c'est haïtien. Dans chaque local, nous avons 12 jusqu'à 14 haïtiens qui travaillent avec nous. So, nous avons un paquet de travail dans la communauté. Vous voyez? So, yeah. En tout cas, compliment et invitez tout le monde à manger dans Pearl Flavors, dans une de trois locations. Yeah. Yes. Est-ce que vous pouvez rappeler nous qui côté trois locations? Oui, yes. Oui. Premier local là, c'est 1738 Flatbush Avenue, Avenue A et Avenue J. Deuxième local là, c'est 2816, 2816 Church Avenue. Li an Nostrand avec Rogers. Et fini ça li même. Kind of little Haiti. Yeah. You know what? Tout se renkoué dans Little Haiti. Okay. Parce que là, tout se renkoué dans Little Haiti. Yes, yes. Parce que là, li même c'est 8221 Flatlands Avenue. Ça entre East 82nd and East 83rd. Okay. So, East 82 avec East 83 sous Flatlands. Et n'a servi communauté. N'a servi communauté. Nous pour communauté, nous t'a souhaité pour nous continuer à grandir, vous pouvez mettre plus local ça dans la communauté haïtienne. Perfect, voilà. Right? Tout un compliment. Thank you very much. Merci. 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 Et puis, on a continué à consommer bon manger qui gagne bouillon. Et puis, il y a bon bouillon tout. Ah oui. Pendant que boucle, nous allons faire une visite dans Barclays Center, qui sont gros coquins chaîne arena, que tout le monde connaît, qui c'est là que Brooklyn Nets recevoir tout match NBA et bien sûr un pile gros concert qui fait l'autre bois. Nous t'ai fait visite ça grâce à un compatriote haïtien qui c'est Jose qui lui-même t'ai fait une visite guidée avec nous et avec lui nous t'ai chita fonti parler. Jose c'est lui-même c'est group sales account manager dans Barclays Center. Chokare la New York takeover, pas qu'à New York Brooklyn pas. Ouais. Gros convention stade ça qui c'est Barclays Center. Qui là et moi justement il y a un confrère haïtien yes. C'est Jose qui lui-même a travaillé bon ici à me faire pile événement bon ici à pas voulu dire que c'est monsieur qui a pris ici à but he's very powerful here. Jose merci okay. Parce que vous accueillez nous là et merci parce que vous pouvez faire nous font petit tour dans Barclays Center. Merci, je suis content de nous venir. Yes. I can't wait to show you guys around. Definitely. Yeah, yeah, so depuis qu'il est travaillé ici? Je travaille là depuis 6 ans, nous sommes ouverts en 2012. Yep. Nous ouvert 2012 avec concert Jay-Z qui ouvert Arena. Il fait 8 concerts back to back. Et puis nous ouvert Arena. Il était prend un an pour bâtir Arena. Pour yo prend tout développement yo, tout approvals by the city. Yo continue. Ça veut dire depuis day one. Day one. Good. Ça veut dire montrer tout ce coin. Ah, n'a pas parlé quel côté. Nous pas montrer moun yo tout ce coin, mais on va montrer tout ce coin. Behind the scenes. We'll be right back.
Yeah, man, belle visite. Même perdu, comment faire repérer dans toute bagarre ça pour qu'on qui côté pour aller. Bon, of course là pendant longtemps, mais là 6 ans et puis temps en temps perdu tout. mais les on cercle, ça dit occasion. Et pour marcher on va perdu et puis dites-moi quel niveau qu'on y est. Pas besoin de retour. We know. All right, plus que 320 etc. peut-être en pile monde qui a pensé que job ou vienne pas facile justement. Maybe. So racontez-nous what's your job? Qu'est-ce que vous faites dans Barclays Center? M'a dit en anglais, j'en voulais. En anglais créole. Yes. Travail moi fait ici, I'm the account executive. Ça dit mon contrôle à tout ticket sales yo pour different events, basketball, hockey, boxing, family shows and some concerts. Même je travaille avec différentes compagnies, organisations qui besoin de faire différents events ou bien entertain their clients ou bien faire group outing. Ça dit qu'il y a pile différents holiday parties, receptions and non-profit fundraisers that I help with. One of the biggest ones was Haiti Cultural Center. They did a Zumba night. Proceeds went to Haiti Relief and the community. Marie, shout out to Marie, shout out to Fulgence, Haiti Consulate. They did a Ballin' for Haiti fundraiser a few years ago. And proceeds went to the earthquake relief from Haiti. So there's different cultural events in the community and fun stuff too, whether it be Kids Day or I know everyone's favorite in the Haitian community too is Karen Civil Day. Union Suite will come out too also and support. So different stuff in the community we love to do and showcase and just bring everyone together. That's really good. Yeah. So, I'm bien content que justement la position que you're in ticket sales and everything. Ou pas besoin de bump shift, but est-ce qu'on pense peut-être que Haïti pays par là cap peut-être profiter de and the expertise au monde d'accord to help sports. Dans le sens que nous, dans le pays, côté que sport, monde qui fait sport n'est pas encadré, athlète n'est pas jeune moyen, il n'y a pas de facilité pour évoluer, pas de stade, pas de série de bagages comme ça. So, vous-même, justement, qui en dans le système ça, et si justement, on a 40 ans, vous travaillez avec plusieurs mondes, qui j'en connais, et c'est tout un gros machine qui a géré Barclays Center, qui sont pensés qu'on est capable de dire pour Haïtiens, capable de comprendre l'importance que sport, capable de générer l'argent pour développer en zone, en pays et aider justement à créer richesse individuellement. Sport, c'est un bagage qui mène tout le monde ensemble. L'émotionnel, not seulement physical. Et puis, il y a espoir avec un pile jeune. Là où Samuel D'Alembert ou bien Scar Labissière, il y a inspiration que vous arrivez à un niveau. Il n'y a pas dépendant de côté sorti, qui différentes ressources vous gagnez. Et puis la highlight pays à tout. La montre pays à nos différents gens quand on cabaye en comparaison avec Usain Bolt. Mon pack cabaye connaît Jamaïcain, mais yo well il vient au symbole. Ça dit Haïti tout qu'a développé au symbole pour yo pour changer perception que yo gagne de pays. Ça dit nous besoin symbole, li mettre dans sport, li mettre dans musique, mais plus mon nous gagne représenter nous la mener la changer idée Haïti et la mener plus lumière pour tout belle bagarre qui gagne Haïti pas seulement négatif yo ça dit sport qui mener en pile pile gens pour aider ça. All right, so il y a un gros building comme ça marché sans pile employé and là justement qu'on connaît qu'on fait moi très fier de vous même et de travail qu'on a fait sans là depuis day one et justement où aider communauté à évoluer. Comment pensez que communauté a, est-ce que vous pensez que la communauté a profité assez de l'espace comme ça ou du moins peut-être vous pensez que Haïtien garde Barclays Center et c'est pas pour moi, plutôt mal à Mazoura, mal font chaud, ou bien mal à l'autre côté, mal font chaud. Oui, ben c'est un niveau où besoin arriver. Ça dit, nous avons un niveau tout le monde a aspiré pour y arriver, mais c'est accessible. Même job pas moi, c'est pour joindre les gens qui connectent pour montrer que porte là ouvert pour yo. En pile fois au monde dit là ouvert porte faut Kembel. Faut Kembel ouvrir pour monde derrière. Ça dit job pas moi c'est premièrement c'est ça et puis mais communauté a bénéfice en pile avec lui et puis tout event de Montreal, Caribbean Relief Night avec Joël avec Fulgence
yo ka mener plus lumière à toute activité qui ka fait ici. Tout à fait. That's good, man. That's good. So, second mot pour tout haïtien qui vit en Haïti or and all those Haitian American like you cap fait les bagages. Yeah, yeah, yeah. Utiliser mot ça dans la communauté à Saltapierre. Et puis on kembe met travail ensemble. Plus moun k ap travay ansanm, nou ka rive pi lwen. That's good. Yeah. That's good. En tout cas, continue and m pense que sky's the limit. Thank you. Ou ap fè pil sukse et puis m'espere que chou karè la kapab host. Chou karè la. Next event nou here at the back. We'll make it happen. All right, yes. Chou karè la. Thank you, man. All right. Thank you, good. Pendant que New York, il était important que nous découvrions des artistes qui ont même un aspect unique, soit dans la voix ou soit dans l'instrument qu'ils ont joué, ou du moins dans l'originalité, tout simplement. Je vais pas inviter nous découvrir un artiste que, en pile dans le monde qui était sur Instagram, moi passé à te découvrir avec quelques interprétations que lui-même il t'a fait, que il t'a posté, puis en pile monde t'a partagé parce que tu estimé que voile est intéressant et ça que il t'a fait avec accompagnement guitare là, c'est intéressant. Nous avons Sarah Thomas qui était à la fois joué pour nous. Et font une interview avec nous pour te présenter Tetley. On y aller. Ti mari pa gen maman, li pa gen papa, yo pran yo fè servi bon, yo pa jan voye lèk. Et s'il dépasse les bonnes yap, si mes bâtons sous col, si Marie se reste avec, yo dit son timoun qui bon. Bon Dieu, gadjon timoun rek, fait manger lave passe, yo dit c'est pour ça. Se vi moun al nan mache, c'est ça seulement, yo vle le faire, yo vle le faire. Aïe, 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 mais chaque samedi soir, li pran miray kay daso, lal kay yon frèl ki boko, la seklete. La jeté de l'eau, la fonti monte, piro, piro, poule sa paléak, nèg en royo, la fait joli couler de l'eau, mes amis, ti mari danse samba, sans chèl pa gade en bas, et si li pote la kwa, c'est pas li a met sou kwa. Rien nous chita parlé, pour moi qu'a tout ça qu'aime penser. Parole qui douce, parole qui vraie, pour moi c'est celle où qu'existait. Quoi m'souffle, où son bébé, puis plus tout doux, où son beauté, devant bon Dieu c'est où moins flé. Coutem doudou, dis-moi ça où vle. Imaginez qu'un t'es très assoiffé d'amour, nous t'es en position pour vivre tant coup de moun fou. Qui pas manger depuis 3 jours, vin jeune yon biftek. Pas besoin tout dévorer, déchirer à tout faire. Déjà qu'on est femme, prend plus précaution pour maladie avec bébé. Puis fait attention, même si même fâché levé, le viré de l'aller. Même yon bisou pas tombé, alors m'abandonner. Abandonner, m'obliger, abandonner. Abandonner, m'obliger, abandonner. Abandonner, m'obliger, abandonner. Abandonner, m'obliger, abandonner. Si m'te genzè, tant kou yon oiseau, m'ta volé, alkeyiz étoile nan ciel. Si m'te la pli, mwen ta jeté de l'eau pou mouze. Flet pousse en bas soleil, si m'te la joie. Ta entré nan kè, tout malere. Pou yo kapab jwenn l'espoir, si m'te l'amour. M'ta met à genou devant bon Dieu. Pou les hommes kapab suspend goumè. Mwen le Sarah Thomas, la kounya mwen l'école. Et
Moi haïtienne, moi fait Haïti, me grandi ici, me vinn là il y a 2 ans de cela pour l'école. Donc yeah. And je joue musique on the side just to have fun. Ça pas fait longtemps du tout. Et de toujours qu'on aime une belle petite voix, mais pas de jambes vraiment chanter pour jeter tête moi. Donc on ka di ça fait moins que 1 an que moi vinn à pocheter tête moi vraiment through social media and stuff. There was a lot of them taking on musique baki, t'es gain. OK. T'es gain musique baki, mon quoi en musique impossible, des fois mashup musique impossible, des fois mashup cap musique impossible actually. Et puis on remix Tony Mix Onana que me songe j'aime faire qui était went viral that I remember. Quand dit que me vinn en gens plus intéressé dans faire musique, de toujours aimer musique dans petite chambre moi petit guitare tout bail ça mais là vraiment toute vidéo dans des went viral even fait me sentir que oh people actually like my voice so me vinn plus envie faire musique donc yeah là qu'on m'a travaille sur deux musiques mais pas qu'à dire for sure qui le parce que like I said before moi là pour l'école donc ça c'est ça m'a priorisé qu'on l'école moi. Donc m'a travaille quand même whenever I have some free time m'a continue travail avec un bon ami qui sont beatmaker que les Manito donc m'a travaille avec and then the sooner I'm done. Nous n'en bois qu'un score. Freddy nan wèl nou, joa nan tout kè nou, n'ap chante. Fou croire qu'elle est spéciale, d'une beauté magistrale, son cœur est une étoile, qui me rend si mal, si mal, si mal, dame. Ce soir, ma rose, je te chante tout ce que j'ai en moi, ma rose. Ce soir, ma rose, je te souhaite une des plus belles fêtes. Oh, oh, oh. Boisson coulée, feeling n'a monté, mon âme dansée. Mon a fêté, boisson coulée, feeling nan monté, mon a chanté, mon a fêté, ma rose, ton éboulé d'amour, ma rose, ton écrasé d'amour, boy, ma rose, m'ta gade. Oui, ma rose m'ta gade. You n'en bois qu'un score. Freddy n'en ouais, nous. Joie n'en tout gè nous. N'a pas chanté. Faut croire qu'elle est spéciale. D'une beauté magistrale, son cœur est une étoile. Qui me rend si mal, si mal, si mal d'amour. Ce soir, ma rose, je te chante tout ce que j'ai en moi, ma rose. Ce soir, ma rose, je te souhaite une des plus belles fêtes. Boisson coulée, feeling nan monté, mon a dansé, mon a fêté. Boisson coulée, feeling nan monté, mon a dansé, mon a fêté. Ma rose, ton éboulé d'amour. Casim d'amour, boy,
ma rose m'ta gade yo. Oui, ma rose m'ta gade yo. Ma rose, ton éboule d'amour, ma rose, ton écrasé d'amour, oui, ma rose m'ta gade yo. Oi, ma rose m'ta gade yo. Thank you. Voilà, c'est tout ça que nous t'ai gain pour vous. Pas oublier Chocarella Takeover New York, patronné par Royal de Cameroun, Haitian Labor Day Festival, Pure Fitness avec Maltalet. On croise pour un autre épisode avec plus interview, plus personnalité que nous découvrir dans New York là. Bye bye. Chocarella Takeover.